الحمد لله الذي رفع بالعلم العلماء وجعلهم ورثة للأنبياء فهم شهداء الله في الأرض والأولياء وحق الناس بعد النبيين بالاقتداء وأصلي وأسلم على خير الورى إمام الأتقياء وأفضل الأنبياء محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Serviteur d'Allah, Allah tabaraka wa ta'ala a énoncé à plusieurs reprises dans son livre la valeur de la science religieuse et la valeur de ceux qui portent cette science. Il a dit dans le sens de sa parole, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ont la même valeur ? قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Et il a dit, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ. Allah élève ceux qui ont reçu la foi parmi vous et ceux qui ont reçu la science de plusieurs degrés. C'est-à-dire Allah élève ceux qui ont reçu la foi par rapport à ceux qui n'ont pas la foi. Et Allah élève ceux qui ont reçu la science par rapport à ceux qui n'ont pas reçu la science. Et il les élève de plusieurs degrés, darajat. C'est-à-dire qu'entre même les gens de science, il y a des degrés. Entre les grands savants, les imams, puis les savants, puis les grands étudiants, puis les étudiants, puis les débutants, puis le commun des musulmans. Même entre ceux qui ont reçu la science, il y a des degrés. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. Certes, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent réellement Allah. Car الخشية, c'est la peur, la crainte d'Allah avec science, avec connaissance. À la différence de الخوف, c'est une crainte d'Allah qui est basée sur la science, la connaissance d'Allah, la connaissance de ses noms et ses attributs, la connaissance de ses règles et de ses lois. Ceci, que les savants ne peuvent craindre Allah avec science et craindre réellement Allah comme il faut. Allah Ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Dis, ô Muhammad, mon Seigneur, rajoute-moi de la science. Il n'y a pas une chose qu'Allah a ordonné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de lui demander de l'augmentation dans cette chose-là si ce n'est la science religieuse. Cette science qui est cité dans ces versets et dans d'autres. C'est la science légale, religieuse, qui a été révélée et descendue à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme preuve et guidée pour l'humanité. Allah tabaraka wa ta'ala a élevé les savants, car il a dit tous ces versets qu'on a cités et d'autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prend un chemin pour apprendre la science, Allah lui facilite un chemin pour l'accès au paradis. Et certes, les anges abaissent leurs ailes pour l'étudiant en science, car ils agréent ce qu'il fait. Et le savant, toute chose dans les cieux et dans la terre, demande le pardon d'Allah pour lui. Même les poissons dans la mer et même les fourmis dans leurs trous demandent le pardon d'Allah pour le savant. La valeur d'un savant par rapport à un dévot, pas par rapport à un pécheur, pas par rapport à un commun des musulmans. Non, non, non. Par rapport à un dévot, celui qui adore Allah la nuit et qui jeûne le jour. La différence, la valeur, la supériorité du savant par rapport au dévot, c'est comme la supériorité de la lune quand elle est à son plein quartier par rapport aux autres petites étoiles. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de dire, certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Et certes, les prophètes n'ont pas laissé en héritage ni des dinars, ni des dirhams, ni aucune chose de ce bas monde. Mais ils ont laissé la science religieuse. Celui qui l'a prise aura pris la plus grande part en islam. Et dans une autre variante, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la supériorité du savant par rapport au dévot, à l'adorateur, c'est comme ma supériorité à moi par rapport au plus bas d'entre vous, serviteur d'Allah. La science religieuse est une des plus grandes richesses qu'une personne puisse acquérir en ce monde. Car il apprend à travers elle
L'objectif pour lequel Allah l'a créé, qui est la religion, الدين. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le hadith de Muawiyah, celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde une bonne compréhension de la religion. Il le rend verset dans les sciences de la religion. Ce hadith met en lumière un des mérites les plus élevés de la connaissance religieuse, à savoir que le savoir bénéfique est un signe de bonheur du serviteur, car son acquisition signifie qu'Allah lui veut du bien. La connaissance de la religion, cela englobe les fondements de la foi, les principes et règles de la loi islamique, mais aussi les préceptes régissant le concept de la perfection et de la bienfaisance. La religion s'articule autour de ces trois concepts, ainsi qu'on peut le voir dans le hadith de Jibril, qui questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'islam, au sujet de l'iman et au sujet de l'ihsan. Il lui a demandé, qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que l'islam? Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a cité les cinq piliers de l'islam. Il lui a demandé, qu'est-ce que la foi? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui décrivit la foi par les six fondements de la foi. Il lui demanda, qu'est-ce que l'excellence? Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, il s'agit d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui certes te voit. La connaissance de la religion serviteur d'Allah consiste donc à apprendre et comprendre le credo et la croyance islamique authentique, ainsi que la méthodologie adoptée par les pieux prédécesseurs en ce qui concerne la croyance. Il s'agit également de connaître les méthodologies des sectes opposées à cette croyance et de savoir en quoi elles divergent des enseignements du Coran et de la Sunna pour pouvoir s'en éloigner et s'en préserver. Connaître la religion, cela veut dire également acquérir le savoir de la jurisprudence, le fiqh, les fondements de la jurisprudence et ses détails, comme les principes régissant les actes d'adoration, les transactions commerciales, les peines légales et autres règles que l'islam régit. La bonne compréhension et la bonne connaissance de la religion signifient en outre comprendre les concepts ayant trait à la bienfaisance et à l'excellence, dans la manière de se rapprocher d'Allah, de purifier son âme, conformément aux principes du Coran et de la Sunna, et non pas par les voies innovées par les sectes déviantes. On n'oubliera pas de mentionner que de comprendre les principes de la religion, c'est également s'instruire sur tous les moyens facilitant l'acquisition du savoir religieux, comme les sciences de la langue arabe et ce qui s'y apparente. Par conséquent, quand Allah veut du bien à une personne, il lui fait don de ses connaissances et il lui facilite le chemin à l'acquisition de ses connaissances religieuses. Car Allah l'a créé pour la pratique de sa religion. Cette vie de ce bas monde n'a été créée que pour nous éprouver, que pour mettre en pratique les lois d'Allah. Alors comment quelqu'un peut les mettre en pratique s'il ne les connaît pas? Comment quelqu'un peut avoir une foi correcte s'il n'apprend pas son credo, sa croyance et les croyances qui sont contraires à la croyance des gens de la Sunna? Comment quelqu'un peut pratiquer ce qu'Allah lui demande? Il ne sait pas comment se purifier, il ne sait pas comment prier, il ne sait pas comment jeûner, il ne sait pas comment faire le pèlerinage, il ne sait pas comment donner zakat, il ne sait pas comment commercer dans le halal. Toute la journée, il mange le haram et il nourrit ses enfants du haram. Par conséquent, il est nécessaire à chaque musulman d'étudier la science religieuse. Il y a une part obligatoire pour tout musulman. L'acquisition de la science est une obligation pour tout musulman, comme il est venu dans le hadith. Cette part obligatoire, c'est de connaître toutes les choses que le musulman pratique tous les jours. Sa croyance, ses pratiques, son travail, les choses dont il a besoin tous les jours. Par contre, il y a une part supplémentaire qui est une obligation communautaire, qui n'est pas obligatoire pour chaque individu parmi les musulmans. Mais dans chaque ville, dans chaque mosquée, dans chaque contrée, il faut au moins un qui a étudié profondément les sciences religieuses pour qu'il puisse enseigner aux autres, pour que les gens puissent retourner à lui, le questionner sur le halal et le haram, sur les bonnes croyances et les bonnes pratiques, et prendre ses directives. On comprend de ce hadith, par réciprocité, que cela sous-entend que celui qui se détourne complètement de l'acquisition de ses connaissances
Cela indique qu'Allah ne veut pas du bien pour lui. Car celui à qui Allah veut du bien, il lui facilite l'accès à la science religieuse. Pour finir, serviteur d'Allah, l'imam Shafi'i, rahimahullah, a dit « Personne ne recherche cette science religieuse et ne peut l'atteindre par la royauté, par l'orgueil. Et il réussira à atteindre son objectif et il sera parmi les gagnants. Mais plutôt, celui qui cherche cette science par l'humilité, par le rabaissement de sa personne, par le fait de supporter la faim pour la science, par le fait d'être au service des gens de science, alors il réussira. Puis, regardez avec quelle intention la personne, elle apprend la science. Écoutez ce qu'a dit l'imam Shafi'i. J'aurais aimé que tout le monde apprenne cette science que j'ai écrite, que j'ai diffusée, sans qu'une seule lettre qui a été écrite ne soit attribuée à moi. C'est-à-dire, son objectif, c'est que les gens apprennent, non pas que son nom soit élevé, mais que le nom d'Allah soit élevé, que les lois d'Allah soient élevées, et non pas utiliser la science pour s'élever sur les autres. Quelle est cette science qui est demandée? On l'a détaillée. Ibn al-Qayyim le résume dans quelques vers poétiques où il dit « La science, c'est Allah a dit, le messager a dit, les compagnons ont dit. » Voilà c'est quoi la science religieuse. Allah a dit, le messager a dit, les compagnons ont dit. Amma, les paroles des gens, j'ai entendu dire, ou ta philosophie, ou les réflexions de tel ou tel, ça n'a aucune valeur dans la balance de la charia. Allah a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les compagnons ont dit. C'est ça la science religieuse. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا للتفقه في الدين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم